Bienvenue à tous les amis, on se retrouve pour l'épisode 16 d'Across the Time. Vous vous demandez où je suis? En fait, j'ai trouvé ce qu'il fallait faire. Je vais vous montrer. Donc j'ai dû recommencer. Alors, quand on court là-bas, pour arriver jusque-là, en fait, ça ouvre la grille ici. Et bon, moi, elle s'était refermée, puisque la dernière fois, j'avais un peu galéré. Donc là, j'ai encore galéré pour courir jusque-là, mais je suis allé tout droit, et la grille s'est refermée derrière moi. Et là, du coup, on arrive ici. Voilà. Et là, il y a une écaille du sous-machin. Bon. Et j'espère que le petit bouton va nous permettre d'arriver. Il y a un petit bouton. À l'endroit où on doit poser la petite clé. Ah non. Ben non. Alors là, du coup, je sais pas, moi. Ça nous permet pas ça. Donc, il y a ces deux gros là à voir. Mais vu que j'ai pu... Putain. Vu que je n'ai plus de... d'épée, c'est un peu tendu. On va peut-être les avoir quand même. Parce que là, ils sont toujours là, ces deux-là. Et à mon avis, il faut avoir ces deux-là. Et du coup, oh non, ils sont là-bas, faut remarcher là-bas, j'en ai marre de faire ce truc. Faut remarcher jusqu'à là-bas, si j'ai bien compris. On va y arriver, on va y arriver. Les attaque pas, là. A pas l'air, hein. Putain, mais si j'ai plus de flèches après... Ah ouais, mais alors si ça fait ça, peut-être que là ça va bugger, puisque ils sont peut-être morts, mais il fallait peut-être me dropper un truc. Oh là là. Bon, ellipse. Ça y est, enfin j'ai trouvé. Donc, me revoilà ici. On va pouvoir mettre la clé là-dedans. Petite clé. Alors, pour que je vous explique. Où j'ai récupéré la petite clé, le trou, vous savez, le grand trou où il y avait les deux monstres. En fait, il a fallu que j'y retourne, que je réappuie. Je vais enlever la pomme. Que je réappuie sur le bouton. D'ailleurs, non, je vais peut-être la garder. Pardon. Que je réappuie sur le bouton, ça a réouvert le trou. Et où j'ai récupéré donc le coffre, la petite clé, il y avait un bouton à appuyer. Et quand j'ai cliqué sur ce bouton, je suis réapparu ici. Pouh, eh ben dis donc. Donc, on va mettre cette... Eh ben, disons, ça a été trop la galère. Donc, me revoilà ici. Ce qui veut dire que j'ai ma petite clé, je la balance là-dedans. Et là, j'ai la comtesse machin. Vous venez pour un bas de sang. Gna 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 gna. Donc, par contre, je n'ai pas d'épée. Merde. Il n'y a pas mon coffre là. Ah oh, putain, il n'y a pas mon under chest. Parce qu'à l'épée, ça va pas être faisable. Quoi. Enfin, à la flèche. Quoique, si je meurs, peut-être que... Surtout que des flèches, bah ouais, j'en ai plus. Oui, à force. Puis j'ai même plus de stuff ni rien. Bon, on va voir, hein. Tant pis, on va voir. S'il y en a un qui me laisse une épée, ça m'arrangerait, mais. Oh là, il y a du monde. Hein. Ou alors je meurs et après... Ah oui, je crois que si je meurs... Ok, il y a elle. Ah, c'est elle. D'accord. De toute façon, je vais crever, je le sais. Donc... Checkpoint. Alors, est-ce que je ne pourrais pas retourner chez moi? J'aimerais bien retourner à la maison. Ça, c'est le checkpoint. Si je retourne chez moi, et après je crois que... Oh putain, oui mais non. Même avec une pomme en or, quoi. Oh là là, comment je fais pour retourner chez moi, quoi? Parce qu'après, chez moi, je peux retourner au donjon. Parce que là, j'ai plus rien, quoi.
Ah, faut le faire à l'envers. Oh, il y a un coffre là. Oh, des flèches, cool. J'ai une hache, mais que rien. Comment je suis arrivé là, moi? Bon, on va se la faire à la hache alors. Ah, si on se prend la pomme. Allez, je crois que c'est elle, hein. Je suis pas sûr, mais. Surtout viser elle. Bon ben, il n'y a pas trop le choix. Il n'y a plus de pommes. La pomme en or, elle n'a pas servi à grand chose. Je sais pas si je l'ai eu. Mais au moins, on a une hache. Tant pis si on meurt plusieurs fois. Ouais, c'est pas par là, c'est par là. Combien il me reste de vie? 13. Hein. Putain, elle a des gardiens, la dame. Hein. Et moi, j'ai pas de stuff. Hein. Moi, je suis à poil. Hein. J'aurais pas usé ma hache là-dessus, moi. Je vais plutôt viser eux. Elle. Parce que, après, autant se faire elle en premier. Et user la hache là-dessus, sur elle. Il me reste plus que 12 points de vie, hein, les amis. Donc, enfin, 12 vies, quoi, je veux dire. J'espère que je vais réussir à l'avoir. Putain, je sais que c'est. C'est quoi ça? Non, je crois qu'il y a. Ah, mais il lui faut combien de coups, quoi? Ah oui, mais elle prend des potions, c'est peut-être pour ça. C'est hard, hein. C'est trop hard. C'est dommage, c'est qu'on peut pas retourner chez soi, quoi. Parce que là, ouais, bah c'est beaucoup fini. Bah voilà, c'est bon, j'ai plus de hache. Donc, à la flèche, pourquoi pas, si j'ai assez de flèches. C'est pas eux que je préfère, c'est eux. Y'a quoi, là? Non, mais là, va falloir mettre un truc. Après, si j'ai plus de flèches, c'est la merde, quoi. Ça se régène, je pense. Comme c'est une sorcière. Putain. C'est chaud, les amis. Il n'y a pas un coffre, il n'y a rien. Je vois pas comment. Parce que là, j'ai plus que 10 vies, après, je sais pas. Ouais, si je gaspille mes flèches en plus. Ou alors faut vraiment courir. Combien? 10 flèches. Putain, j'ai plus de flèches. Ah oui, j'ai pas de mana ni rien. Recharge Calypso, c'est quoi ça? Nombre de recharges, ouais, mais ça sert à rien. Comment je vais pouvoir faire à la main? Ça va être tendu, quoi. Là, franchement, c'est. Bah ouais, à la main. Alors là, c'est bon, quoi. J'en ai pour 3 ans. Ah ouais, mais il me reste plus que 9 vies, alors qu'est-ce que ça va faire quand quand j'en aurai plus? J'aurais perdu? C'est chiant que je peux pas retourner chez moi, me refaire du stuff, quoi. Psst, 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 psst.
Je sais pas moi. Non, non, ça sert à rien ce truc là. Je vois pas comment faire. Ah ouais, à la main, c'est sympa. R, pourquoi il y a des lettres là? C'est quoi? Pas le temps de lire avec leurs conneries. Y a pas un coffre, rien. Non, ça va dropper un truc qu'il faudra mettre là pour pouvoir rentrer. Ah, lâchez-moi une épée quoi, ou j'ai même pas d'équipement, j'ai rien. Ah, bon ben voilà comment être en galère. Bah je vais faire une ellipse encore une fois parce que là c'est pas très intéressant. Allez, à de suite. Allez, on se reprend les amis, je me suis give, hein. J'ai pas eu le choix parce que là ça faisait un quart d'heure que j'étais en train de les battre à main nue. Donc je me suis give une armure en diamant, pantalon en diamant, épée en diamant, et ça n'empêche pas, hein, je viens de tuer les deux gardes. Et épée en diamant, et je suis encore mort quoi, tu vois, vous voyez, et pourtant je suis tout en diamant. Tiens, j'ai ça. M'a filé, et ouais, une épée en diamant, je me suis pris des flèches aussi. J'étais obligé de me les give quoi, parce que sinon je voyais pas comment faire autrement. Donc il me reste plus qu'elle à avoir là. Qui c'est qui est content? Vous avez infligé 200. Ouais, bah oui. Mais là j'ai pas trop eu le choix. Elle, je sais pas combien de points il va falloir. Combien de fois il faut faut la taper. Et elle me file quoi, elle, comme. Elle doit se régénérer, hein, c'est pas possible. Ah bah quand même. Ouh, désolé, hein. Bon là, franchement. Pas trop eu le choix. Franchement, pas eu le choix. Donc, qu'est-ce que ça marque là? Ça marque un truc, faut le lire quand même. J'ai l'âme de la comtesse. Franchement, désolé les amis, hein, mais bon. Alors, j'arrive pas à lire. S-S-A-S-A-T-O. Quoi? Ah, Rota. Rota. Quoi? S-A-T-O. Sator. Je vais me les noter ça parce que ça doit servir à une énigme. Si j'ai bien compris, c'est S-A. C'est un F, un T. S-A-T. O-R. On dirait, hein. R. R. E. P. O. Je ne sais pas ce que ça veut dire. T. E. N. T. E. N. E. T. R. O. T. R. O. T. A. S. Je dis pas de conneries, hein. J'ai pas le zoom là. Bah non, j'ai pas Optifine. C'est bien ça. Hein. S. A. T. O. R, je crois. Ouais, P, ouais, bah écoutez, ça doit servir pour un truc après. S. Bon, on essaiera de savoir, comprendre à quoi cela sert plus tard. Donc j'ai récupéré son âme, ça on peut pas le récupérer. Je vais les jeter, hein, les armures. Hein, mais... Ok. J'ai enfin la gemme de l'espoir. Ok. Et un bouton, je pense, pour entrer à la maison. Mon dieu, que ça a été compliqué. Vraiment pas assez stuffé, quoi. Combien? 500. Et de l'XP, je l'ai utilisé. Et ça. Ça, je sais plus ce que c'est. Ah oui, c'est la fameuse recharge Calypso. Non, ça va. Nombre de recharges total 4. Ah, ça me recharge en mana, d'accord. Ok, bah je peux pas en reprendre encore. Nombre de recharges total 5. Vous avez... ok, pour 2 chronotrons. Ok, bon. C'est bien. Et donc ça, c'est quoi ça? Protection 2. Ah oui, ça, de toute façon, je vais le jeter, hein, j'ai dit. Je vais pas me le garder. Idem les flèches, je vais les jeter. Et donc j'ai récupéré un nouveau bouquin, Répulsion maléfique. Qu'est-ce qu'il fait lui?
Invoque tout autour de vous une puissante vague d'explosion maléfique, blessant ainsi les ennemis en leur provoquant des liaisons internes. D'accord. Mais vu que j'ai pas beaucoup de... Donc de toute façon, on va aller poser l'item, la gemme de l'espoir. Ok, tu vois pas où on en est au niveau des gemmes, s'il y en a encore beaucoup à faire. Oh oui, il en reste encore quelques-unes. Gemme de l'espoir, Repos, on l'a fait la dernière fois. Du savoir. Cauchemar. Haine. Hop là. Gemme de l'espoir. Ah bah c'est là. Yes! Ok. Alors, du coup, moi avec ces coupures, c'est pareil, encore une fois. Ah, regardez, j'ai 200 maintenant. 200 de dalle. Faut que je tienne le temps. Je reviens. Bon, ça va, on en est qu'à 15 minutes. Donc, on va pouvoir faire... on va pouvoir faire un truc... vu qu'on a récupéré le détonateur, on va aller se faire ça. On va finir l'épisode avec ça. Après, j'irai me rééquiper, moi, tranquillement... hors caméra. Donc franchement, désolé pour le give, mais franchement pas trop eu le choix. Qu'est-ce que je fais? Je passe à la maison? Non. On va rester comme ça. Oui, je passe par là, moi. On va aller faire le truc du détonateur. Hop, 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 hop. Puisqu'on l'a récupéré. Donc on va aller faire péter un peu les... On va aller faire péter le... On va manger déjà. On va faire péter des grottes. Oui, bah je garde mon épée en diamant pour l'instant. Normalement, j'aurais pas à m'en servir ici. D'après mes souvenirs, la grotte c'est à dos. Ah, c'est des loups là. À droite là, quelque part. Faut rentrer là-dedans. Ici, j'ai toujours pas trouvé ce qu'il fallait faire. Ma foi, on saura plus tard. Hein. Alors, le truc avec le détonateur, c'est là derrière, je pense. Alors, attendez, non, puisque là, on est dans le désert. C'était pas dans le désert. C'est là quelque part. Faut que je retrouve où c'est. J'ai pas envie de refaire une ellipse. Oh, quoique... pourrait faire parce que là on ça sert à rien. Ok, il y a des Gustaves là. Oh putain, ça j'ai jamais fait, la première fois. C'est là quelque part. Avance toi. C'est vrai qu'il y a le cimetière là-bas à faire aussi. C'est vrai qu'on l'avait jamais fini, on va le finir, hein. On va se le faire le cimetière aussi. C'était où cette grotte? Ah non, oui, c'était par là. C'est là, c'est là quelque part. Je crois que c'est là à droite. Voilà. Voilà, c'est ici. Détonateur. Voilà enfin une mine dwarf. Il y a sûrement des choses intéressantes à découvrir. Donc il y a une mine de nains quoi. Oui. Ah bon, on va se refaire bien là. On va piller la mine des nains. Ok. Ça se prend. Je vais y arriver. Hop là. Bon, un casque tout pourri, mais bon. Il y a des tripwires là. Peu importe. Donc on a fait tout ici. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On descend, on descend. Allez, allons-y. Allons voir ce qu'il y a là-dedans. À gauche, allez, on va à gauche. On ira à droite plus tard. Bah des flèches. Bon, bah de toute façon. Bon, je sais pas si je les garderai ou pas. Les 61 que je m'étais donné. Je sais pas pourquoi 61. Non, 64. Un stack. Allez à droite, encore des coffres. Ah, enfin du charbon, je vais pouvoir faire cuire ma bouffe. Explosif.
Où il va, lui? Explosif. Qu'est-ce qu'ils peuvent appeler explosif? Va falloir trouver de l'explosif, les amis. J'en ai pas de ça d'explosif. L'explosif, explosif. Ok. Va pas m'embêter, elle. Hop. Essayons de trouver de l'explosif. On avait un détonateur déjà. Waouh! Ah ouais, d'accord, c'est grand ici. Ok. Bon, bah, je continue avec mon épée en diamant, hein, tant pis. Dégling. Waouh, faut que je trouve de l'explosif. Bon, c'est pas ça le plus important, je pense, c'est le stuff surtout. J'ai tué 50 araignées. Je suis comme ça, moi. En fait, on aurait pris la main de carte, on aurait été plus vite. Bonjour. Oh là, c'est la fête aux creepers ici. Non, peut-être pas. Je voulais récupérer la poudre. Putain, si on avait une... Si on avait une pioche et qu'on pouvait miner. Regardez, il y a des jams. En fait, je sais pas pourquoi je viens là, il y a rien. Mais bon. Bon, elle pète. Non, il veut pas. Quand même. Putain, mais il en faut des coups. Et B. C'est pas de l'explosif, ça? Il appelle pas ça de l'explosif, la poudre? Non. Du charbon, ça, c'est bien. Ok. J'ai de la régène qui vient. Ah oui, d'accord. On continue. Hein. Il y a encore une araignée ici. Bon, quand tu veux, tu viens. Aïe. Aïe. Non, me fais pas mal. Oula. J'ai trait l'araignée. Oula, une à la fois. Pong, 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 pong. Donc il y avait un dropper pour mettre de l'explosif. Oh, bah arrêtez de popper à ma gueule. Putain, mais ils sont balèzes quand même. Parce que regardez, avec une épée en diamant, il faut 3 coups, quoi. 3, 4, 5, 6. 6 coups avec une épée en diamant. Hein. Ah, bah celle-là, un coup seulement. Ah bah voilà de l'explosif. On va redescendre du coup. Tac 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 tac. Explosif, petite bouboule. Là il y a un... Ça a fait quoi là? Ça a activé des pistons. J'ai pas vu où. Attends. Oula, il y a les araignées qui sont vénères. Ça a dû ouvrir un endroit quelque part. Mais où? Je ne sais pas. Bon, en tout cas, j'ai mon explosif. Donc, on va redescendre. Allez. Je sais pas ce que ça a fait les pistons, mais ça a fait quelque chose. Ou bien une poudre ici. Qu'est-ce que ça m'a pu faire les pistons? On les entendait tout près en plus. Hein. Je sais pas. On verra tout à l'heure. Hop, allez, on va finir ça, puis après on va se quitter là, les amis.
Je sais plus où c'était ce truc là d'explosif. J'aurais dû prendre un minecart, j'aurais été plus vite. Deux, trois, quatre. Alors, quatre coups là. Trois, quatre, cinq, six, sept, sept, huit. Putain, ça, huit coups quoi. Je suis obligé de compter les coups parce que ça m'énerve. 10 coups, 8 à 10 coups de. Avec une épée en diamant, c'est un truc de fou quand même. Donc. Ça a fait un trou dans le mur. Waouh, regardez, on accède à. À un temple. Tu vas me lâcher la grappe, toi. Vous avez terminé 3 quêtes secondaires. Trop bien. Parce que là, c'était pas. Ah, d'accord, c'était une quête secondaire, ça. Eh ben, c'est cool. Ouais, d'accord, on est. Il va falloir une épée. Fléau des entrepôts, de là, parce que. Parce que là. On va jeter un oeil, il doit y avoir des trucs intéressants là-dedans. Bon, à part que c'est très les épées. Très les épées. Voilà. Très les araignées hyper blindées. En plus, j'ai faim. Oh, j'ai faim IRL aussi. À bouffer hein. Les patates sont cuites, ouais, enfin je crois, pas sûr. On va prendre des steaks. Ok, allez, on va essayer de regarder un petit peu là, puis on va se quitter là parce que là ça fait un bel épisode. Donc là il y a une échelle. Ok, ah, il aurait peut-être fallu ne pas tomber, je pense. Allez, on visite un peu, on va remonter. Tiens, il y a un coffre là. On va remonter là-haut. Ouais, je crois qu'il va falloir passer là ou là-haut. Il doit y avoir une reine des. Une reine araignée ici. Non, pourtant pas, pourtant pas. Ok, tic, 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 tic. On va remonter tranquillement avec l'échelle. On va se faire une dernière araignée pour la route, puis on va se dire au revoir là-haut. Oula. Et on continuera. Oh bon, écoute, hein, la prochaine fois. Ah ben non, on va pas continuer la prochaine fois parce que là, elles vont m'empêcher de monter. Oh putain, puis il y en a encore une qui arrive. Oh, 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 je veux pas crever là. Putain, mais elles sont mortelles, c'est quoi de dire. Putain, je voudrais monter à l'échelle là. Allez, on va finir l'épisode, j'ai faim. Je vais aller manger. Putain, mais elles sont costauds, c'est pas possible. Il n'y a pas une derrière là. Non. Ok. Ah, oh, mais il y avait un passage là. Ah non, mais c'est par ici que je suis arrivé. D'accord. Ah oui, d'accord, je suis tombé là, moi. Bon, bah c'est pas grave. Hop, hop, hop. On va passer là. On va passer là. Normalement, on devrait pouvoir faire avec du jump ou je sais pas quoi. Hein. Je sais pas où est-ce qu'on... Si, on doit aller sur la plateforme, là, au milieu. Ok, bah on verra ça la prochaine fois. F5, F1, F5. Allez les amis, je vous quitte. J'espère que l'épisode vous a plu. Encore est-ce que...
excusez-moi pour le give du truc en diamant, mais franchement, c'était ça ou je sais pas comment ça aurait pu terminer. Voilà, allez, n'hésitez pas quand même à mettre un petit commentaire, un petit pouce bleu, et puis on se retrouve la prochaine fois. C'était Mister LD sur la chaîne Donjon Aventure et pour la map aventure Across the Time. Allez, ciao!